bienvenue au stade Michel Dornano pour une griot que l'équipe de France est quasiment fait. Louisa, c'est important pour les Françaises et même pour Wendy Renard, qui est évidemment capitaine et habituée au plus haut niveau, de confirmer encore une fois dans un tel tournoi que la France a été une grosse nation, une forte nation du foot féminin. Oui, on a pour habitude de dire qu'en équipe nationale, il n'y a pas de match amicaux et de match de vrais matchs en compétition. Donc tous les matchs sont pris au sérieux avec beaucoup de concentration et de détermination. Et puis elle est accompagnée par une capitaine qui est... C'est le premier match des Bleus d'ailleurs, dirigé par Corinne Diacrici. C'était contre le Chili le 15 septembre 2017. Coup d'envoi donné par l'équipe de France avec Abraoui. Awa Sissoko. Avec... Ça joue de manière intense du côté de l'équipe de France. Elles ont compris, les Françaises, bien sûr, si ça pouvait leur échapper, que l'adversaire sera tenace. Et ça sera... C'est par les coups de pied arrêtés que ça peut passer avec la tête de Wendy Renard, mais repoussé devant la gardienne. Amraoui qui a pu récupérer dans la surface de réparation, c'est dégagé. Attention, c'est mauvaise passe. La récupération. Le tacle en retard sur Bacha. De... À chercher de l'autre côté. Assez dommage. Ah, c'est dommage. Oui. Selma Bacha est bien placée malgré tout pour la récupération. Est-ce que c'est une récupération? Ah oui, c'est bien. Diami qui va s'imposer peut-être, non? Il y a un retour défensif et ce sera un corner. Pour l'instant, les joueuses de l'équipe de France ne sont pas... La touche, protéger ce ballon, il faut faire mieux que de le protéger. C'est elle qui l'avait touché en dernier. Il y aura une faute avec un coup franc en sa faveur et un carton jaune. Attention, Marta qui est partie. Marta qui va frapper, la vue Péromanien qui était un peu avancée. Deuxième feinte, n'est pas bloqué par... c'est sur la barre ce centre, et ça a été touché, corner. Et sur son côté gauche, elle a un contre favorable, mais ça sera un peu long, et ça va sortir en sortie de but pour la gardienne du Brésil. Bleu, mais ce n'est pas pour le moment, avec l'incursion là, sans faire de faute, Marta qui est dans la surface en retrait. Elle avait subi, attention à la faute Pénalty, non? Pénalty, ouais, c'est ça. Ouvrir le score, oui ou non? Et c'est oui! Le Brésil couvre le score grâce à sa star! 36 ans aujourd'hui, Marta, la capitaine du Brésil! Et elle le fait à la brésilienne. Exactement. Ah, c'est une belle réaction. Cascarino, extérieur avec corner que c'est beau. Oh, Bacha. Elle bloque bien à chaque fois les. Amraoui pour la frappe contrée. Ouf, oh, qu'elle a raté là. Et l'égalisation. L'égalisation de l'équipe de France grâce au cafouillage de la défense du Brésil. Elle est là, Marie-Antoinette Cardoso qui fait chavirer un petit peu quand même le stade Michel Dornano. Les Bleus reviennent de loin, mais reviennent tout de même. Au départ, on voit une très belle récupération d'Amraoui au milieu avec une belle percussion. De France, c'est assez tendu, pas assez levé, mais la défense brésilienne aide énormément les Bleus. Difficile. Ouais. Le Bacha qui aura un carton jaune aussi. Pas de solution pour l'instant. Et oui, c'est bien fait. Bien fait. Bonne vigilance et grosse concentration là de Pauline. Delphine Cascarino.
revenir dans l'axe, faute. Elle commet quand même pas mal de fautes. Allez, les Brésiliens peuvent... Oh, c'est passé. Pero Magna qui se couche et qui va sauver son équipe. C'est récupéré, attention, avec ce centre et ce... Amraoui, ça c'est bien. Les Yoro, elles se sont bien appliquées avec Katoto qui a repris une extremis. Elle chute dans la surface de réparation, mais c'est... Martin, au centre de Martha qui va longer le... La Finlande ou des éliminatoires face à des équipes beaucoup plus faibles. Ah, bien sûr, les tests sont importants. Puis les deux tests qui arrivent sont en plus différents dans le style. Le Brésil aujourd'hui. Carino. Escarino. C'était pas mal hein, pour Gianni et Wendy Renard. Le regard, une fois, deux fois, elle a levé la tête. Et derrière pour Coletti. Oh, Flad! Reprise en demi-volée. Tunkara. Oh, c'est bien joué. Quelle passe! Il n'y a pas de hors-jeu. Il était réclamé par. Oh, c'est dommage. C'est un super ballon de Tunkara. Si elle réussit son compte. C'est pas mal dosé, mais c'est surtout pas mal défendu. Son action, elle va vite. Elle a débordé. Elle peut centrer peut-être. La tête en retrait pour essayer d'avoir une position de tir du côté des Brésiliens qui n'a pas marché. Mais de France va montrer un visage un peu plus séduisant et surtout s'ouvrir. De l'aise et de Sandy Baltimore, la joueuse du PSG. Avec un ballon qui est arrêté là. Il y a un choc dans le rond central. Sissoko. Sissoko encore. Sissoko toujours, mais le corner. Pour l'instant, Toletti qui lève bien son ballon. C'est remis. Peut-être la frappe, là, comme elle vient de Bacha directement dans les bras de Laetitia Silva. C'était Cascarino qui a frappé. Cascarino le centre. Oh oui! Oh oui! La parade superbe sur cette tête de Toletti, la parade de Laetitia Silva. Magnifique ce centre de Cascarino qui trouve ses centres. Bacha derrière elle. Bacha. Au centre de Bacha, très fort. Deuxième poteau qui ne donnera rien. Karchaoui qui va s'appliquer pour le centre. C'est bien gagné encore. Et le but de Katoto pour le doublé. L'entrée payante de Sakina Karchaoui sur le côté gauche. Une équipe qui a varié. Gauche-droite, droite-gauche dans l'axe. But, Katoto doublé. La France mène 2-1. Essaye de continuer son jeu à terre, ça n'a pas marché. Attention, le retour d'Amraoui qui va au coup franc avec dans l'axe du monde, mais surtout Périssé qui a regardé s'il y avait du monde. Ouais, Pero Magna qui s'est sacrifié là en reculant pour éviter les têtes adverses, le dégagement et Karchaoui aussi. Une bonne intervention de Tunkara qui va rester debout. Sauf que là, elle est un peu poussée et qu'elle va bénéficier donc d'un coup franc logique. Appliqué toujours Baltimore, retrait. Toujours le centre en retrait. Oh. Il n'y a personne. Toletti qui s'était, au lieu d'attendre au point de pénalty. Karchaoui toujours, Karchaoui encore. Le raid de Karchaoui avec une grosse faute. L'arbitre qui n'a pas sifflé si. Avec Baltimore qui cherche dans la surface. Il y avait Diani et il y a tout laissé bien sûr, d'autant qu'il a été suivi d'une attaque. Il faut effectivement un petit peu de temps pour retrouver ses marques. Et Baltimore de la tête qui n'arrive pas à décroiser. Le timing était relativement. তোমার কল্যাণের জন্য যেতে তুমি এই কাজ বন্ধ করে দৌড়তে মসজিদে যাও মসজিদে যে তুমি হাত ধরো আমার কাছে ফানহাত চাও আখেরাতের জন্য কিনিবা তুমি এই ঘর বাড়ির টাকা পয়সা কিছু নিতে পারবো না আখেরাতের জন্য কিছু কামাই করতে হলে তোমার মসজিদে যেতে হবে হে যুবক কাজ বন্ধ করো নামাজে আসো